Bien le bonjour. Alors je sais que c'est pas flagrant derrière moi, mais aujourd'hui normalement il devait faire beau et juste les nuages sont arrivés avec 2-3 heures d'avance, hein, les malpolis. Et j'espère que vous allez pouvoir m'entendre parce que ça vente pas mal, vraiment pas mal du tout. Alors j'ai caché le micro sous la veste, hein, mais j'espère que vous allez quand même pouvoir m'entendre. Bref, j'avais prévu de faire mon premier Tipotop de l'année et d'en profiter pour faire un vlog que je repousse depuis bien trop longtemps. Alors ça ne va pas parler de météo locale ni de randonnée, hein, puisque c'est pas du tout le sujet que je voulais aborder. Le sujet que je voulais aborder, c'était Auroralp. Alors qu'est-ce que c'est Auroralp? Certains d'entre vous l'ont certainement vu passer déjà sur les réseaux sociaux, hein. C'est un festival d'astronomie et de l'espace et très orienté science. À ma connaissance, c'est le premier en France et il va avoir sa première édition le dernier week-end de septembre à Grenoble. Donc c'est un groupe de Grenoblois qui organise ça. Ça fait un moment qu'ils bossent dessus. Ils m'avaient contacté dans les tout premiers, au tout début de l'idée, pour savoir si j'étais intéressé et pour les soutenir autant que je pouvais. Inutile de vous dire que. Bon, malheureusement, j'ai pas pu contribuer beaucoup, mais oui, carrément, c'est le genre de truc qui m'intéressait et que je veux soutenir autant que possible. Et c'est du coup pour ça que je voulais faire ce vlog, parce que donc le festival va avoir lieu, hein, ça c'est sûr, mais ils font une campagne de crowdfunding et là ils sont vraiment sur la toute fin de la campagne de crowdfunding pour améliorer le festival, avoir de meilleures animations, pouvoir inviter plus d'intervenants. Donc voilà tout ça et ils en sont. Alors on est le 3 juillet aujourd'hui, j'ai vérifié il y a 2 ou 3 jours. Si mes souvenirs sont bons, ils en sont à 6 jours restants pour le crowdfunding et ils sont très très loin du but qui s'était fixé. Du coup, c'est pour ça que je voulais faire ce vlog. Ça fait un moment que je voulais le faire et malheureusement, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, pour les aider autant que possible. Donc n'hésitez pas à faire tourner l'info, à partager l'info. Je vais vous mettre dans la description, hein, le lien vers le KissKissBankBank, vers leur Twitter, vers leur site web. Donc n'hésitez pas à faire tourner l'info et si vous pouvez, participer autant que possible à ce crowdfunding. Parce que vraiment, c'est une initiative que je trouve excellente. En plus, avec la recrudescence des anti-sciences, des complotistes, etc. Je pense que c'est très très important d'avoir ce genre de festival. Donc voilà. Alors en ce qui me concerne, je ne sais pas du tout encore si je pourrais participer, que ce soit en tant qu'intervenant ou en tant que spectateur. Intervenant, hein, soyons honnêtes, je suis une toute petite chaîne, je ne peux pas drainer beaucoup de personnes, je viens de très loin, je comprendrais tout à fait si les organisateurs ne sont pas prêts à me défrayer ou m'inviter pour ce genre de raison. J'aimerais énormément y participer, ça ne fait pas de doute, mais je suis aussi très réaliste sur ce genre de truc. Faire venir quelqu'un du nord de la Norvège, ça coûte. Bref, dans tous les cas, si je ne suis pas invité, je vais faire de mon mieux pour essayer d'y être en tant que spectateur. Parce que je pense que c'est une initiative qu'il faut vraiment encourager autant que possible. Et puis ça m'intéresse, hein, tout simplement, évidemment. Une convention astro, vous imaginez bien que ça m'intéresse. Donc voilà, comme d'habitude, hein, c'était un vlog complètement foutraque. En plus, mon appareil photo est tombé en rade de batterie. Donc là, je filme au téléphone. Je ne sais pas du tout quelle va être la qualité de ce truc. Mais bon, vous avez l'habitude. Et pour terminer, je vais vous laisser avec les paysages. Je crois que vous aviez un peu chaud, hein, ces derniers temps en France. On a encore de la neige. Bon, ça fond très vite là. Hein. C'est vraiment les derniers névés. Mais on a encore de la neige. Bon allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à la prochaine et je vous laisse admirer les paysages. Ciao!